Mon frère, c'est Grand Gibus. Le plus costaud de la bande, c'est le Braque. Le plus savant, c'est la Crique. Camus, Tintin, Boulot, tous les autres, ils sont normaux. Et puis le plus moche, c'est Bacaillé, qui fait toujours des coups en dessous et par derrière. Nous, on est tous de l'Angleterre. Mais alors ça, je vous le jure, hein, c'est pas nous qui avons commencé. Ceux qui ont commencé, c'est les Vélerans. C'était au début du mois d'octobre. Un jour qu'on s'en venait à l'école, moi et Grand Gibus, ils nous ont barré le chemin, jeté des cailloux et traité de tous les noms d'oiseaux. Pardon, quel enfer ! Déjà l'année dernière, ils nous avaient fait le coup. Puis l'année d'avant, et puis celle d'avant, et puis même encore avant, j'étais même pas déjà née, que tous les ans à la rentrée, c'était toujours eux qui commençaient les Vélerans de ce temps-là. C'est mon père qui me l'a dit. C'est pour ça que ça a jamais fini. Et qu'aujourd'hui encore, quand les Vélerans ils continuent à commencer, nous les Longevernes, on recommence à continuer. Le maître d'école, il dit que ça fait 1000 ans que ça dure. Non, parce que ce jour-là, quand on a vu toute la bande des Vélerans devant nous, eh ben on n'a pas traîné pendant 1000 ans. Ils étaient une bonne vingtaine à nous crier dessus. Pardon, quel enfer ! Moi, j'étais deux en comptant mon grand frère. Alors on s'est sauvés à toute berzingue. Ça tira, le Braque ! Elle est gardée le premier coup qui tombe. Salut, Gibus ! Salut ! Oh, ben si j'aurais su, j'aurais pas venu. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est les Vélerans. Ils nous ont barré le chemin et puis canardés avec des pierres. Puis ils nous ont traité de tous les noms d'oiseaux. C'était pas des noms d'oiseaux, je te dis. Alors c'était des noms de quoi ? Quel nom dit ? Ben, on sait pas très bien ce que ça veut dire. Demandez à le Braque. Oh oui ! Quel nom dit ? Et le soir, en sortant de classe, il nous a tous rassemblés pour nous dire qu'il était fixé. Peut-être qu'il avait vu ça dans un livre d'école, ou dans le dictionnaire. En tout cas, il avait raison. C'était pas qu'un oiseau. C'était un gros mot. Oh là là. Eh ben, ils vont vous voir un peu, les Vélerans, qui disait le Braque, s'ils sont pas des plus gros mots que nous. Rendez-vous ce soir à 9h, derrière l'église. À 9h pétante, on s'est retrouvés. Grand Gibus, Tintin, Camus, la Crique et puis moi. Tous derrière le Braque. Moi, j'avais dit à mes parents que j'allais chercher du lait. Ça fait que je portais une de ces marmites. Puis on s'est mis en marche, direction Vélerans. Même qu'il y avait Tintin qui faisait des objections. Comment tu voudrais pas écouter le Braque ? Moi, je marche pas. Puisque t'es là, tu marcheras comme tout le monde. Tu sais qui commande ici, non ? J'ai pas dit que je menais pas le Braque. Mais c'est vrai, pour avoir des chefs, on devrait voter. Non, mais tu rigoles, dis. Qui c'est qui connaît les grades ici? Moi, il y a capitaine, c'est fort capitaine. Moi, je connais un gars qui est adjudant. Il est vachement intelligent, mon vieux. Il a son certif. Ben, en tout cas, le plus fort, c'est première classe. Soldat de première classe. Alors, il y a des soldats de deuxième classe? Et des soldats de marchandises? Alors quoi? On vote ou on choisit chacun son grade? On choisit. Moi, je choisis le colonel de deuxième classe. Non, le colonel machine à vapeur. Non, le colonel fourgon à bagages. Oh, vous commencez à nous enquiquiner avec vos histoires à la noix, là. C'est là où le Braque nous a dit la bouclée. Surtout qu'on approchait de Vélerans. Tout le monde a obéi. Je savais pas encore ce qu'on allait y faire, moi. Sauf qu'il fallait retirer nos godillots pour pas faire du bruit. V'là donc qu'on se déchausse en douce, quand tout d'un coup, il y a un chien qui se réveille à sursaut. Puis v'là un autre chien qui s'y met à son tour. Puis encore un autre chien. Puis encore un autre chien. Puis encore un autre chien. Puis un bonhomme qui sort de chez lui pour voir ce qui se passe. Nous, on se plante contre un mur et on attend. Mais ça le fait pas rentrer, le bonhomme. Au contraire, le v'là qui vient vers nous. C'est là que le Braque m'a poussé en avant. Allez, vas-y, passe en avant. Qui ? Moi ? Ben oui, il y a un môme avec une boîte à électrobrasse à tout naturel. Il rentrera dans sa cambuse. Ouais, mais qu'est-ce que je lui ai dit, moi ? Mais rien, t'as qu'à passer. T'es colonel, oui ou non ? Alors t'as qu'à obéir. Oh, oui, j'aurais pas vu, moi. Eh ben, j'avais rudement raison. J'avais pas fait 10 pas que le bonhomme m'arrête. C'est toi qui fais gueuler les chiens, comme ça ? J'essaie de me sauver, et viens. C'est mon pied qui avait buté. Tout le lait qui se dégoulinait dans le caniveau. Alors le bonhomme m'a ramassé.
Puis il m'a fait rentrer chez lui. Il y avait sa femme. J'avais tellement la trouille que je pouvais plus causer. Non, le petit jeune, non, assieds-toi, le petit lent. Alors, t'as perdu ta langue? C'est la commotion. Bah, tu lui fais de ses peurs aussi, t'aurais mieux fait de te taire. Alors, mon petit gars, puis c'est pas quand je me tairai que ça va lui rendre la parole. Je te dis que tu l'as commotionné. Il y a qu'à lui donner une petite goutte. Allez, donne-y la goutte, on peut pas rester là à rien faire. Le calva, ça n'a jamais fait de mal à personne, hein? Après ça, je me rappelle plus de rien du tout. Je sais qu'ils m'ont donné un petit coup de calva, et puis qu'ils m'ont redonné du lait, plein ma tabale. Ce que les autres ont fait pendant ce temps-là, je l'ai su seulement plus tard. Ils s'étaient glissés jusqu'au mur de l'école. Là, Camille, Grangibus, Tintin avaient fait le paix pendant que le braque et la crique s'étaient mis à écrire sur le mur. Ils faisaient des lettres tellement grosses que de tout près, on voyait pas ce qui marquait. Et puis juste comme il finissait, il y a eu une auto qui passait. Une bagnole! Oh, oh, j'ai fini! Et dans la lumière des phares, les autres, ils ont pu enfin voir. C'était écrit en gros, en énorme, tous les vélans sont des peines gros mots. Aussitôt, les copains, ils s'étaient en sauvés. Pour aller mettre leur godillot. Et là, ils s'étaient aperçus que j'étais toujours pas là. Ça doit être à ce moment-là que je suis sortie de chez le bonhomme. Salut, monsieur l'homme! Alors ils m'ont entendu venir de loin. Mais il est rond comme un boudin! On pouvait dire maintenant que la guerre était déclarée. Il y avait deux armées. Les Vélans, avec l'Arstead Degué comme chef, et puis tout égal, mille la lune, toute la bande quoi. Et puis nous, tous derrière le braque. Et il y avait des armes, des frondes, des bâtons, des cailloux, des élastiques. Et il y avait même un champ de bataille, la carrière du bois de la Saute. Alors sur le coup de 5 heures, juste après l'école, on s'y est tous rendus. Et comme les Vélans étaient déjà là, c'est la grande guerre qui s'est déclenchée. Qui criait? Oh les gars, on a chopé Mille la lune! Allez! Ça y est, on avait fait un prisonnier! Du coup, les Vélans, ils se sont débilés dans tous les sens. Et plus on les coursait, et plus ils se sauvaient. Quand on n'en a plus vu un seul, on est tous revenus vers le prisonnier. Justement, le braque et Camus étaient en train de l'attacher à un arbre. Allez, reculez vous autres! Faut que tout le monde voit! Alors les gars, qu'est-ce qu'on lui coupe? Les oreilles! La langue! Le taureau! Pili! Mais le braque, il avait une autre idée. Il s'était dit, dérouiller Mig la lune de nos propres mains, c'est bien. Mais le faire dérouiller par ses parents, c'est encore mieux. Et le voilà qui prend son couteau et qui y passe sous le nez. Tes oreilles, ton tarin, ton zizi, j'en ai rien à faire. Y a qu'une chose qui compte chez l'homme. C'est l'honneur. Et je t'apprends de croire que dans 5 minutes, tu seras pas fier. Allez!
Oh non, non. Et puis le verre qui se met à lui couper son bouton de colle. Puis ses boutons de liquette. Puis ses boutons de culotte. Puis toutes ses boutonnières. Puis ses lacets. Puis sa ceinture. Puis ses bourdales. Et voilà le froc de mi de la lune qui lui tombe sur les talons. Il avait même pas de caleçon. Alors le braque, il l'a détaché, il lui a flanqué un grand coup de pied dans les fesses. Pour le renvoyer dans son bled. J'y allais tellement mis de la lune, en se devinant, qu'il pensait même pas à monter sa culotte. Et ce soir-là, on est rentrés tous ensemble au village en chantant le braque qui venait d'inventer. La victoire en chantant, nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas. Et du nord au midi, la trompette guerrière rassemblera les combats. Quand j'y repense maintenant, je me demande si le braque, il avait eu raison de faire ça, Miguel. La preuve, c'est que le lendemain, les vélerins, ils ont pris leur revanche. Forcément, ils étaient plus que nous. Toujours est-il, ils ont coincé le braque à leur tour. Ils lui ont fait exactement la même chose. Il aurait pas dû leur monter les jambes. Dans 5 minutes, tu seras pas fier. C'est pas malin que vous avez copié sur nous. Aussi, quand il est rentré chez lui, ses parents, ils lui ont demandé des explications. Tu peux pas répondre à ta mère, dis. Ah oui, quoi. C'est à cette heure-là que je rentre. Mais d'où que tu viens? D'abord, boutonne ta veste, puis ta chemise. T'appelles ça boutonner, toi? Oh, il touche pas, t'abîmes toujours tout avec tes grosses pattes. Pourquoi ça m'a resté dans la main, pour vrai? Oh, comme l'assiette de ce matin, puis la chaise d'hier. Puisque je te dis que je la fais pas exprès. Il trotte fort, puis blatou. Puis je vous préviens, hein, j'ai aussi bousillé mes boutonnières. Ces boutonnières? D'ailleurs, ça servait plus à rien, j'ai plus de boutons non plus. Comment tu t'es foutu dans un état pareil, dis? Je dirais rien. Espèce de tête de mouche! Dis-moi, tu parlais, dis! Tabouret à présent! Alors la chemise, les boutons, les boutonnières, et maintenant le tabouret, tu nous prends pour qui, hé? Pour le roi de Chine? Ou les Crésus? Non! Ça va rappeler mon famille! Tiens-toi, Eugène, tiens-toi! Dis-y seulement qu'on l'enverra tout nu à l'école demain pour l'apprendre! Tiens-toi! C'est quand même pas un homme! Quand on s'est retrouvé à l'école, il y pensait encore, le braque. Et ce qu'avait dit sa mère, eh ben ça le faisait rigoler, qu'il pouvait pas se retenir. Alors le mat, il s'est fâché. Tu sais, le braque, ça s'améliore pas tes affaires. Un jour, je vais me fâcher pour de bon. Oh, c'est pas ma faute, monsieur. Je pense à un truc marrant. C'est bon, on verra ça plus tard. Sortez tous. Récréation. Et puis il l'a pris à part pendant la récré. Alors, vous allez le dire à mon père? Tu verras bien. Oh, faut pas le dire, monsieur. Toi, t'as encore reçu une raclée hier soir, c'est ça? Oh, la raclée, c'est rien, il se retient. Le pire, c'est la pension. Il veut te mettre en pension? Oui, monsieur, puis il le fera, hein, vous voyez bien. Ah, ben, ce que je vois, c'est que tu fais l'idiot, que tu ne fiches rien. Bah, vous avez qu'à plus m'interroger, monsieur. Je vous jure que je me tiendrai tranquille dans mon coin. Dis donc, le braque, on n'est pas à la sablière. Le général ici, c'est moi. Vous y êtes allé, vous, monsieur, en pension? Oui. Et j'en suis pas mort. Ouais, mais vous, c'est pas pareil. Moi, je sais pas apprendre, mais je connais quand même des tas de trucs utiles. Ça te paraît suffisant? Oh, bah, pour bouffer dans la vie, c'est quelque chose, la pêche puis la chasse. Bon, ben, commence par apprendre tes leçons. Pour la pension, je verrai ça avec ton père. Monsieur. Allez, file. Ah, dis-moi, qu'est-ce qui te faisait rire tout à l'heure? Oh, rien, monsieur. C'est ma mère, elle voulait m'envoyer à l'école tout nu pour pas que j'abîme mes affaires. Après ce coup-là, je voyais bien que le braque avait quelque chose dans la tête. Il ruminait. Ceux qui se doutaient de rien, en tout cas, c'était les vélerins. Et les voilà, les vélerins. Le mercredi soir, qui reviennent au bois de la Saute, tout fiers encore de leur victoire de la veille. Ils se disent, aujourd'hui c'est Camus qu'on va choper. Et justement, il voit Camus grimper sur un arbre pour observer, ou pour faire semblant plutôt. Qu'est-ce que tu vois? Juste Camus dans son arbre, ils se sont dégonflés. Juste ce que je voulais. Allez, en avant! Il se précipite
tous autour de l'arbre à Camus en braillant. Ça y est, Camus ! Descends, Camus ! Défais comme une copie, Camus ! À l'escalade !